à provenance de la province meurtrière de l'Ituri, que je voudrais bien m'adresser à leurs excellences ministres de l'économie et celui de la défense, sollicitant en même temps la bonne représentativité ministérielle de la province de l'Ituri pour la fois prochaine. J'ai l'espoir que la hauteur de la mobilisation des recettes coopérera son excellence Vital Kamerhe dans le ministère de l'économie et le respect strict des lignes budgétaires en temps réel avec des actions concrètes dans les délais records facilitera un beau résultat de travail à l'engager son excellence ministre national de la Défense Sir Jean-Pierre Bemba Gombo. Concepteur d'une bonne politique de la défense, comme à l'époque de 1965 à 1992, au temps remarquable du maréchal Mobutu, qui attend le répatriement de son corps pour bien appuyer son armée. L'histoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale renseigne que notre armée de la République démocratique du Congo, ASOTA, force publique, avait vécu les deux guerres mondiales à Tanzanie, précisément à Kigoma, Tabora, Mayenge, Asosa, Gambela et Asayo. Si aujourd'hui l'excellence Jean-Pierre Bemba Gombo et Sami Adubango sont nommés ministres de la Défense, ce n'est pas par hasard. L'histoire de notre armée démontre que nos deux premiers centres de formation militaire étaient à Irebo et Lukando, proche de la ville de Mbandaka. La raison en est que le major belge les nommait Coquillat, Sego Distalet, était épaté par la démonstration militaire des éléments du chef Pogba du village Wangata, à Mongala. Excellence ministre de la Défense, nous sommes fiers de vous, Congolais et Congolaises, qui dit Jean-Pierre Bemba Gombo et Sami Adubango, dit chef Pogba de Wangata, dit Tespin, dit Charme, dit Grenouille et Ranger, dit population de l'Ituri. Que Dieu de nos ancêtres vous accompagne à la grande satisfaction du peuple congolais et du commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, dit Fatih Beto.